Et revoilà Noël, le moment d'offrir des présents aux tout-petits aussi. Cette année, comme les années passées, la sollicitude de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, envers les enfants, ne fait aucunement défaut. Ce jeudi au palais présidentiel, un arbre de Noël de la part de la présidente de Children of Africa leur est dressé. Pour la distribution des cadeaux à cette occasion, c'est du ciel que le Père Noël fait son apparition. Au total, ils sont au nombre de 3000. Les enfants venus des quatre coins d'Abidjan qui repartent les mains chargées. En leur nom, la petite Farida Gbané pour dire merci à leur bienfaitrice. Aujourd'hui, nous sommes comblés de bonheur et nous repartirons les bras chargés de grands cadeaux. Maman Dominique, grâce à vous, nous découvrons aujourd'hui le magnifique palais présidentiel et son immense jardin. Vous êtes une maman en or qui apporte toujours la joie et le réconfort dans nos cœurs. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour tous les enfants de Côte d'Ivoire. Moda Damo, Nanzinho, Iniche, Ayoka. Que Dieu vous garde et vous bénisse, vous et notre papa, le président Alassane Ouattara, pour le bonheur des enfants. En organisant cet arbre de Noël pour ses enfants, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, indique clairement qu'elle n'entend pas se départir de ce qui est pour elle comme une tradition. Mes chers enfants, comme vous, j'affectionne particulièrement la période de Noël car elle est le symbole de l'amour, de la joie et du partage. C'est le moment où les enfants reçoivent de nombreux cadeaux et passent des moments inoubliables avec leur famille. C'est pour cette raison que chaque année, nous organisons des arbres de Noël pour les enfants afin de permettre à tout le monde de passer un Noël chaleureux et festif. Il s'agit d'un moment exceptionnel durant lequel chacun peut s'amuser, rire, danser, manger et recevoir des cadeaux dans les magnifiques jardins du palais présidentiel transformé pour l'occasion en un immense parc d'attractions. Mes chers enfants, cette journée a été organisée pour vous et je souhaite que chacun de vous en profite pleinement. Toutes les attractions, les jeux et les cadeaux que vous avez vus sont pour vous faire plaisir. Alors amusez-vous et gardez de beaux souvenirs que vous pourrez raconter à vos amis et que vous n'oublierez jamais. Cérémonie tout à fait festive, soutenue par des artistes de renom. Kérosène, Magic System, Fally Ipupa. Et ce n'est pas tout. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, promet d'en faire autant pour tous les enfants de Côte d'Ivoire, avec des arbres de Noël éclatés pour la distribution de plus de 12 000 cadeaux.